Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien compris. Tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camarete, Zoula, Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à la jeunesse ivoirienne, c'est très important. Aux filles, aux jeunes dames ivoiriennes, aux jeunes gens ivoiriens. C'est très important parce que nous voyons dans la culture ivoirienne, la jeunesse n'est pas motivée. La jeunesse n'est pas motivée à occuper des places, sinon que des postes stratégiques au sein de notre nation. Et ça, c'est inacceptable, ça, c'est inconcevable. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Loin d'être dans une position d'un quelconque parti politique. Ce n'est pas au nom des partis politiques que je parle aujourd'hui. Je parle aujourd'hui en tant que citoyen ivoirien. Et j'aimerais m'adresser à mes concitoyens ivoiriens. Et à mes concitoyennes ivoiriennes. Vous savez, il y a assez de jeunes en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale est là pour s'occuper de tout ce qui se passe dans la société ivoirienne. L'Assemblée nationale est là tout simplement pour décider des lois qui vont permettre à la société ivoirienne de mieux avancer. C'est-à-dire proposer des lois et faire voter les lois par les députés. Mais nous, Ivoiriens, nous qui nous disons que nous sommes jeunes et que le monde dans lequel nous sommes appartient à la nouvelle génération. Si ce monde qui appartient à la nouvelle génération est dirigé encore par des vieux au sein des assemblées nationales des différents pays africains, je pense que ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut demander aux jeunes gens, que ce soit femme ou homme, de prendre leur courage et de participer à ces élections législatives qui arrivent. Il y a des gens qui sont influents sur la toile. Je prends le cas du général Makosso. En dehors d'être un homme de Dieu, ça, c'est ce qu'il fait dans sa vie. Mais pour mieux défendre ses amis, ses sœurs ivoiriennes et ivoiriennes, il doit tout simplement être candidat aux élections législatives. Aux élections législatives pour se faire voter. Et une fois au sein de l'Assemblée nationale, il pourra proposer des lois qui pourront elles aussi arranger la population ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, accordez-moi un bout de temps. Accordez-moi un bout de temps. Une minute, s'il vous plaît. Mais il faudrait qu'on se parle. En tant que citoyen ivoirien, on doit se dire la vérité. Excusez-moi. Comme je suis là, fais un truc à la fois. Issouf Diabaté. Bonsoir, monsieur Issouf Diabaté. Voilà. Donc, je disais, le général Camille Makosso, sa place, c'est au sein de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il doit être député. Ainsi que les autres jeunes de notre nation, la Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui connaissent ce que c'est que le monde nouveau, qui connaissent comment le monde fonctionne. Mais pourquoi ne pas devenir député pour aider ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du monde nouveau dans lequel nous sommes? Soyez des candidats, que ce soit les femmes ou hommes. Madame, toi qui me regardes, que tu loges aux États-Unis, si tu vis aux États-Unis, là, ta place là, c'est à l'Assemblée nationale. Va aussi être député, tu peux te faire élire. Non, j'ai 23 ans. Non, j'ai 19 ans. Écoute,
23 ans, 19 ans, c'est assez pour devenir député. On t'a dit pour être député en Côte d'Ivoire, il y a un âge. Tu n'es pas mineur. Il n'y a pas un âge sur lequel on se base pour dire non, tu as 20 ans, donc tu n'as pas le droit. Tu as ceci, tu n'as pas le droit. Allez-y être des candidates dans vos différentes régions. La région où tu sais que tu es influente, ou la ville, ainsi que, ou bien, je ne sais pas, la commune, où tu penses que tu es influente, où tu penses que tu peux avoir la chance pour être élu député au sein de la Côte d'Ivoire, va. Si c'est au nord, dans une région du nord, ou bien dans une ville du nord, si tu as bien visé, tu dis ici, là, si je deviens candidat ou candidate, j'ai au moins 70% de chances d'être élu député. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Et moi, j'aime les personnes qui sont ambitieuses. J'aime des personnes audacieuses. Nel Djamila, cette fille qui fait des vidéos pour donner des conseils, mais vas-y à l'Assemblée nationale. Puisqu'elle est suivie par des filles et des jeunes gens sur Internet, mais vas-y à l'Assemblée nationale. C'est là-bas que tu pourras défendre les vraies causes de tes concitoyens. Tu fais quoi sur Internet? Tu fais quoi sur Facebook? Vas-y à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je demande au général Makosso d'aller à l'Assemblée nationale pour mieux défendre les jeunes Ivoiriens et les filles ivoiriennes. Je pense que je suis clair. Ainsi que les cyberactivistes. Non, je suis pro Gbagbo, je suis pro FPI, je suis pro Alassane, je suis pro RADP, je suis pro PDCI, je suis pro Bédier, je suis JSK, je suis pro RACI, je suis pro truc, GPS, je suis pro Soro. C'est du n'importe quoi. Quelle que soit ton appartenance politique ou ton mouvement politique, mets ça de côté et bats-toi. Bats-toi. Parce que la vision que ton parti politique a, ce n'est pas pour la société ivoirienne. Peut-être toi, tu as une autre vision à part celle de ton parti politique dans lequel tu milites. Tu peux proposer des choses que les députés qui font partie de ton parti politique, là, ils ne proposent pas au sein de l'Assemblée nationale, concernant les lois, bien sûr. Peut-être tu as vécu des choses que tu aimerais abolir en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ce n'est pas en te mettant à l'écart que ces choses-là seront abolies. Parce que ceux qui sont députés au pays là-bas, ils n'ont jamais vécu ces choses. Donc, pour mettre fin à une chose dont tu as l'expérience, ou bien tu as eu l'expérience, mais c'est à toi d'aller là-bas. C'est à toi de proposer cela. Et c'est à toi de décrire cela pour convaincre les autres, enfin de faire voter cette loi et mettre cette chose, mettre ça hors d'état de nuit dans notre nation. Mais non, on ne le fait pas. On crie, écoutez, à un moment donné, ayons l'ambition de devenir des députés. Même on peut devenir des maires. Moi-même, je peux opter, mais je le dis. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que dans les années à venir, Guégué ne sera pas truc député? Ou bien il ne sera pas candidat pour être député? Moi, je vous le dis. Peut-être j'ai des ambitions. Qu'est-ce que vous en savez? Mais puisque je ne veux pas un jour me voir seul au sein de l'Assemblée nationale, je veux que tous ceux qui ont les mêmes âges que moi soient sur le même banc que moi, soient dans la même assemblée que moi. Et ensemble, on va définir les règles de la société ivoirienne. Loin de parler aujourd'hui au nom d'un parti politique. Je ne parle pas au nom d'un parti politique aujourd'hui. Je parle en tant qu'un citoyen lambda, en tant qu'un Ivoirien neutre. Je parle. Et ce message est adressé à tous les Ivoiriens, dans leur ensemble, c'est-à-dire à toute la jeunesse ivoirienne. Laisse cette histoire de dire mon parti politique boycotte, donc moi, non, parti politique boycotte ou pas, tu t'en fous. Parce que ce n'est pas ton parti politique qui te donne ton salaire mensuel. Ce n'est pas ton parti politique qui loue ta maison chaque fin du mois. Ce n'est pas ton parti politique qui te soigne lorsque tu es malade ou qui soigne ta famille lorsque un membre de ta famille ne se porte pas bien. C'est toi-même qui te bats. C'est toi-même qui te bats pour faire tout. Ce n'est pas
les responsables de ton parti politique qui te viennent en aide lorsque tu ne te portes pas bien. Mon frère, c'est le moment. Parce que devenir député aussi, c'est de réserver aussi un avenir meilleur à tes enfants. Qu'est-ce que vous en savez? Être député, mon frère, tu ne seras jamais, tu ne seras plus jamais, tu ne seras plus jamais, 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 jamais hein, au chômage. Même si tu ne travailles plus, tu seras payé. Ta famille sera payée. C'est-à-dire tu réserves un avenir meilleur pour tes enfants. Mais tu vas bon militer dans un parti politique. Le jour où tu déconnes, ils vont dire dégage de notre parti politique. Et en retour, tu n'as plus rien. Demandez-les à Montalo. Demandez-les à Montalo. Ils ont milité au RADP jusqu'à le jour où ils ont déconné là. On leur a dit écoutez, c'est pas comme ça. Ils ont été chassés et c'est clair. Demandez à Alcide Guégué, le jour où il a déconné au sein du FPI, mais le FPI l'a mis hors d'état de nuit. Demandez à Pio Guessin, le jour où il a commencé à faire truc, ils l'ont combattu ici. Donc écoutez, militer dans un parti politique ne réserve pas un avenir meilleur à tes enfants. Toi-même là, toi-même tu es né là, tu es né garçon, tu es né là ma soeur, tu es né femme. Bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour ta descendance. Parti politique ou pas, être candidat ou être candidate, c'est pour l'avenir de tes enfants. Parce que une fois que tu as le titre de député, le jour où tu n'es plus en exercice, tu seras payé. Même dans ta tombe, ils vont payer tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans ta tombe, ils vont payer tes enfants. Tes enfants ne connaîtront jamais la misère. Parce que dans le passé, leur père ou bien leur mère a été un jour député. Et tu feras voter des lois dans le pays qui porteront ton nom. Ou bien les gens se souviendront de ces lois-là pour dire « Cette loi-là appartient à tel homme. Tu as laissé des traces dans l'histoire. » Et un jour, tes enfants pourront être fiers de ce que leur mère avait fait. Ou bien de ce que leur père avait fait lorsqu'il était vivant. Je vous demande d'être des candidats. Élections législatives ou municipales, ne laissons pas ça aux vieux. Nous, la jeunesse, on peut. Mais vous pensez que vieux, mais écoutez. Non, les vieux, écoutez, les jeunes de maintenant, ils sont sages. Il y a des bébés, tu les vois, ils ont au moins 6 ans, mais quand ils raisonnent, on dirait des vieux qui ont au moins 100 ans. C'est-à-dire, leur raisonnement même dépasse certaines personnes âgées. Et puis les gens se posent des questions, mais le petit là, il enlève ces paroles là, ou qui a mis ça dans sa bouche? Personne n'a mis ça dans sa bouche. Personne. Ce sont des enfants qui sont surdoués, des enfants intelligents. Et parmi la jeunesse ivoirienne, il y a des jeunes très 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 intellectuels, très intelligents, capables de penser, réfléchir et proposer des lois. Je pense qu'on peut y arriver si la jeunesse décide d'aller sur ce terrain. Il y a beaucoup qui me regardent souvent, qui hésitent, qui aimeraient être bel et bien candidat. Mais ils sont là, ils sont hésitants. Vas-y, sois candidat mon frère ou ma soeur. Toi qui vas regarder cette vidéo, sois ambitieux ou ambitieuse. Ne reste pas là dans ton salon pour dire non. Est-ce que tu es même chose, vieux ou jeune, on est pareil. On peut. C'est une histoire de concours. C'est le peuple qui décide. Tu peux être candidat indépendant, c'est-à-dire tu peux appartenir à un parti politique. Et si ce parti politique on ne te choisit pas, mon frère, déclare-toi candidat en tant qu'indépendant. Et tu verras, une fois élu, là, c'est ton parti politique qui va courir derrière toi pour dire, ah, on sait que tu as été élu indépendant ou indépendante, mais vraiment, est-ce que tu peux pas donner ta victoire à notre parti politique? C'est eux-mêmes qui vont courir derrière toi. À ce moment-là, ils seront obligés, de négocier avec toi. Mais tu ne peux pas céder sans avoir l'avis de ceux-mêmes qui t'ont voté. Ceux qui ont fait de toi député, tu demandes leur avis et tu verras leur position. S'ils sont d'accord pour que ta victoire soit donnée à un parti politique, ou s'ils ne sont pas d'accord, tu restes député indépendant
durant ton règne. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les gens ont peur? Il y a des jeunes gens qui ont les moyens d'être candidats. Il y a des femmes qui ont les moyens d'être candidates, mais sans là, elles ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut oser dans ta vie. Osons dans nos vies. Nous ne sommes pas des esclaves pour toujours courir derrière les hommes politiques pour faire quoi que ce soit. Nous aussi, là, on doit être des leaders. Des gens étaient tes leaders. Tu as couru derrière des gens pendant longtemps, mais depuis que, combien, c'est-à-dire ça va durer combien de temps? Quel jour quelqu'un aussi va courir derrière toi, mon frère, ma soeur? C'est-à-dire, toi, depuis que tu es né là, tu cours derrière des gens. Oh, c'est un haut cadre. Mais tu peux aussi devenir haut cadre, si tu le veux, bien sûr. Toi qui me regardes là, tu peux détester Guégué. Guégué est vilain. Je n'en disconviens pas. Je sais que je ne suis pas beau. Tu peux me détester. Tu peux me regarder mal pour dire Guégué est ceci, Guégué est cela. Il n'y a pas de souci. Mais ce que Guégué te dit, il faut écouter ça. Est-ce que c'est mauvais? Durant le reste, c'est-à-dire, depuis que tu es né là, tu as toujours suivi des cadres. Ah, lui là, c'est un haut cadre. C'est un haut cadre. Mais il faut savoir qu'ils étaient comme toi avant d'être haut cadre. D'autres ont commencé petits et aujourd'hui, ils sont grands. D'autres là, ils ont commencé à être députés. Dans l'histoire des députés là, ils sont devenus ministres. D'autres là, ils ont commencé à être députés. Et dans l'histoire des députés là, ils sont devenus influents. D'autres ont commencé à être maires. Et dans l'histoire de maires, aujourd'hui là, ils ont des postes vraiment juteux. Pourquoi suivre toujours des chevronnés? Pourquoi suivre toujours des vieillards? Pour dire, c'est un cadre. Quand ils viennent, c'est nous qui attrapons leur mallette. Mais pourquoi on ne peut pas passer le reste de notre temps à attraper mallette des gens? Des gens aussi doivent attraper nos manettes. C'est comme si tu dormais dans le salon de quelqu'un. Et dans ta vie, tu refuses que quelqu'un dorme aussi dans ton salon. C'est inadmissible. C'est-à-dire que tu as dormi dans le salon de quelqu'un. Il faudrait qu'un jour aussi, là, quelqu'un dorme aussi dans ton salon. Pour que tu puisses rester là pour dire, waouh, la vie. Pour que ça soit vraiment une anecdote pour toi. Tu ne peux pas rester là pour suivre toujours des vieux ministres. Mais écoutez, pour qu'ils soient ministres, il y a d'autres qui ont eu la chance, ils sont devenus ministres automatiquement, mais il y a d'autres, il leur a fallu être des députés ou des maires pour qu'on voie leur capacité avant de les nommer ministres. C'est lorsque tu es au sein de l'Assemblée nationale, ta manière de défendre, ta manière de proposer les lois, ta vision globale que tu as, c'est ça qui facilite, parce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a les représentants de plusieurs partis politiques. C'est ça qui va les influencer. Ils vont dire, mais ce monsieur, il est très sérieux. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il prend une position, c'est ça. Et tu vas fasciner des partis politiques. Quand ces partis vont prendre le pouvoir, eux-mêmes vont courir derrière toi pour dire, viens être ministre. Maintenant, si ta sincérité est assez foudroyante, et que le peuple t'a remarqué, le peuple voit que tu es très sérieux, c'est ce peuple même qui va te réclamer d'être candidat aux élections présidentielles. Et des gens aussi iront battre campagne pour toi. Chose que tu n'avais jamais imaginé dans ta vie. Cela verra le jour. Osons un jour. Quittons dans cette histoire de mon parti politique. Non. Si ton parti politique a un candidat, sois aussi candidat indépendant. Est-ce que ce n'est pas dans la condition? Ça est dedans. S'ils ne veulent pas te proposer comme candidat. Et puis les vieux, les anciens vieux là, non. C'est nous. C'est mon frère ou ma soeur. Sois aussi candidat. Ou candidate, faut défier ce vieux-là. Et tu vas mater le vieux sur le terrain politique. Nous, la jeunesse, on a l'oratoire. On a le verbe. On sait comment parler aux gens. Et surtout si l'un de ces vieux a été une fois député qui n'a rien foutu dans la région ou dans la ville, mais écoutez, c'est une bonne occasion de le massacrer devant le peuple. Qu'il soit de ton parti politique ou pas, tu t'en fous. C'est une histoire de championnat, c'est-à-dire là où vous êtes là, sur le terrain politique, il ne s'agit plus de quelqu'un appartient à mon parti politique, donc il va mentir, toi aussi tu es dans la course. Il faut massacrer ce dernier devant le peuple. Quand je dis massacrer, je ne parle pas de tuerie, mais massacrer ce dernier verbalement, en mettant ses échecs devant aux yeux du peuple, et en prouvant au peuple que celui-là, il n'est pas le bon choix. Et que c'est toi qui as le bon choix. Tu es venu révolutionner
ce qui n'allait pas dans leur ville ou dans leur commune, et que tu es venu rétablir l'ordre. Car celui, c'est-à-dire l'ancien, le désordre qu'il avait mis, toi tu es venu rétablir l'ordre. Et une fois aux affaires, voici ce que tu leur proposes. Mon frère, tu vas réussir. Ma soeur, tu vas réussir. On ne peut pas laisser les vieux continuer comme ça tout le temps. On ne parle pas de présidence. Présidence, là, on comprend. Ça, les vieux, ils peuvent lutter. Mais ils sont des députés encore. On va encore laisser les vieux lutter ça. On va, nous, les jeunes, on va rester là, laisser encore les vieux lutter ça. Ah! La présidence, le fauteuil présidentiel est lutté par les vieux. Babo, Bédier, Alassane et les autres. Maintenant, nous encore là, on ne parle pas de fauteuil présidentiel. On parle de fauteuil de l'Assemblée nationale. Encore, on va laisser la vieux nous malmener. Ah, mais elle a béni de la jeunesse. Les jeunes là, elles jouent là, ils vont occuper quoi? Pour se défendre eux-mêmes en tant que jeunes. Ça ne peut plus continuer comme ça. Voici pourquoi je propose à la jeunesse ivoirienne d'oser, d'avoir l'audace et d'affronter un moment donné ces vieux-là qui occupent les places, qui ne valent rien, qui ne font rien dans leur ville où on leur a donné la chance d'être candidat ou bien d'être député ou maire, qui ne valent rien là-bas. Il faut mater ces vieux-là sur le plan politique. Il faut concurrencer ces vieux-là. Et je demande à toutes les dames, à toutes les jeunes filles, à tous les jeunes et à tous les hommes de notre nation, la Côte d'Ivoire, vas-y être candidat. Allez-y, devenez des candidats. Les législatives vont avoir le jour, vont avoir lieu dans peu de temps. Devenez des candidats potentiels. Des candidats qui vont faire voter des lois. Ce que vous avez vécu en Occident, ce que vous voyez, et que ces choses ne sont pas en Côte d'Ivoire, devenez candidat une fois aux affaires, proposez ces choses-là dans notre nation. Aux États-Unis, tu es et puis tu vis, et tu dis première puissance du monde, c'est quand tu vois ton vécu aux États-Unis, et quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est que tu ne vois pas là. Pourquoi ne pas devenir député pour faire voter des lois pour que ces choses apparaissent? Vous pensez que c'est le président qui va toujours proposer, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait. Quand on dit condition, la constitution, c'est le président seul qui propose. Le président, mais et les députés, ils proposent quoi? C'est-à-dire, ils ne font pas le travail pour lequel on les a élus, députés. Ils ne le font pas. Ils sont là-bas, ils encaissent l'argent, et puis ils s'en foutent. Ils attendent à ce qu'un jour le président dise, bon, on n'a qu'à réviser la constitution. Cet article, on doit neutraliser cet article. Mais eux-mêmes, là, ils ne proposent aucune loi. Ils sont là-bas, ils s'en vont, ils dorment matin, ils disent, soit le mois fini, ils prennent leur chèque et puis ils sont heureux. Eux-mêmes, ils sont députés. Et puis, les villes ou les communes dans lesquelles ils ont été votés, ils ne valent rien là-bas, ils ne foutent rien. Ils ne font rien de bon. Et le peuple souffre. C'est tout ça, là, il faut changer. Il faut mettre ça hors d'état de nuit. Proposons des lois. Ce n'est pas le président de la République toujours qui va proposer des lois. Lui, il regarde les lois qui existent au sein de notre constitution. S'il y a des modifications, si tu proposes une loi, mais cette loi sera étudiée par les députés et les sénateurs, puisqu'il y a un Sénat. Mais toi qui proposes la loi, il faudrait que tu aies des arguments pour convaincre l'ensemble des députés et des sénateurs pour dire cette loi-là. Voici son but, son objectif au sein de notre nation. Une fois convaincu, ils vont la voter. Tu as gagné une victoire. Au moins, tu n'as pas été élu par le peuple pour rester là-bas et dormir et encaisser des chèques. Mais tu as été élu pour apporter une amélioration au sein de notre nation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais les députés qui sont là, ils ne font pas cela. Ils attendent toujours le président de la République pour envoyer une amélioration au sein de notre constitution. Mais c'est inadmissible. On ne peut plus. Pendant combien de temps cela va tenir? Non, il faut revoir cela. Voilà pourquoi j'encourage la jeunesse de Côte d'Ivoire. Quelle que soit ton ethnicité, quelle que soit ton appartenance ethnique, quelle que soit ton appartenance religieuse, c'est-à-dire, quelle que soit ton appartenance, je ne sais pas, idéologique, mon frère ou ma soeur, tu es appelé à être député. Faut pas te baser sur ton âge.
Non, j'ai 20 ans. Non, j'ai 18 ans. Oui, tu es majeur. Est-ce que tu ne fais pas l'amour à 18 ans? Tu ne fais pas l'amour? Si tu fais l'amour, c'est que tu connais déjà la chose. Quiconque fait l'amour connaît déjà l'importance de la vie parce que c'est de là que vient la vie. C'est dans l'histoire d'amour là, quand on met un être humain au monde. Donc quand tu connais déjà le goût du sexe, c'est que tu sais comment réfléchir maintenant pour la vie. Alors tu peux être député. Et c'est clair. Ne vous laissez pas minimiser. Ne vous laissez pas, non. Moi, Dieu que vous voyez là, un jour vous serez étonné. Mais je ne dirai pas plus. Vous serez étonné. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour encourager mes concitoyens. Non, je ne fais pas la politique. Il faut faire la politique. Quelle est ton utilité pour ta nation? Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Et moi, putain, mais qu'est-ce que tu as dans ta tête? Devenir député indépendant ou indépendante, c'est ça qui est crime. Ce n'est pas un crime. Tu es né là, c'est pour apporter quelque chose de positif à ta nation. Je ne fais pas de la politique, mais tu fais quoi? Tu veux faire des enfants seulement? Tu fais quoi? Tu veux militer pour des partis politiques seulement? Tu fais quoi? Tu veux attraper les manettes des hommes politiques seulement? Tu veux faire quoi? Crier, oh, moi, je suis militant des trucs, des babaouriens, gars, je suis à Domouton, adouriens, je suis prophète d'Essaïe, pédéseouriens. C'est ce que tu veux faire durant le reste de ta vie? Si tu as le culot de les supporter, c'est que tu fais déjà la politique. Pourquoi ne pas franchir cette barrière pour aller occuper une place au sein de l'Assemblée nationale? Le fait de soutenir un candidat politique, c'est que tu as déjà une vision politique, une idéologie politique. C'est que tu fais déjà la politique. Alors, quitte dans cette histoire de dire, je ne peux pas être candidat, je ne peux pas être candidate. Fais cela, ça veut dire, ça fait de toi. Et lâche. Excusez-moi pour mes propos. C'est un peu choquant, mais c'est une vérité absolue. Si tu soutiens un candidat, c'est que tu as déjà... Quelqu'un qui est un concitoyen, qui dit, bon, lui, il n'appartient pas. C'est-à-dire, il n'a aucune préférence pour un parti politique ou quelconque en Côte d'Ivoire. Il peut raisonner de la sorte. Ce genre de personnes, on peut dire, bon, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à tout ce qui concerne la politique. Mais toi, tu es militant ou militante d'un parti politique et puis tu as une telle vision. C'est que tu es trop pour l'œil. Hey, tu mens aux gens. Tu es un menteur ou une petite menteuse que tu es. Soyez des candidats. Que tu vives aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Russie, en Chine, c'est moi qui veux citer les pays. Que tu vives en Afrique, en Côte d'Ivoire ou en dehors du territoire ivoirien, mais le territoire africain, si tu te sens capable d'être candidat, fonce. L'avenir appartient à la jeunesse et non aux vieux. Quelle que soit ton appartenance politique, que tu sois pro-Ouattara, que tu sois pro-Gbagbo, que tu sois pro-Soro, que tu sois pro-Bédié, que tu sois pro-Blégoudé, mon frère, laisse l'histoire de pro-pro et bats-toi même. Bats-toi au nom de ta nation. Bats-toi. Tu refuses. Mais je suis militant. Je suis militant. Mais de quel jour quelqu'un sera aussi ton militant? Quel jour quelqu'un va te suivre aussi pour dire on va battre campagne pour lui? Mais c'est ça aussi. Dans la vie, il faut viser à être leader. Il ne faut pas être là pour suivre des gens qui ont été comme toi. Qui étaient comme toi dans le passé. Mais c'est parce qu'eux, ils ont osé. Mais toi, tu refuses d'oser. Et tu veux être leader. Leader pour faire quoi? Pour marquer l'histoire de ta nation en apportant des choses positives au sein de ta nation. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas durer. Je vais stopper le direct. Mais c'était mon message à la nation ivoirienne. Et particulièrement à la jeunesse. Ceux qui font des vidéos de sensibilisation. Non, vous pouvez faire ça. Allez-y à l'Assemblée nationale, c'est là-bas, on vous attend. Allez-y, devenez des députés. Pour proposer des choses, au lieu d'être sur Facebook, la jeunesse. Makonso, on t'attend à l'Assemblée nationale. Nel Djamila, au lieu de donner mes étoiles, mais vas-y à l'Assemblée nationale. Les femmes comme toi, elles sont mieux placées à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du peuple.
Quittez maintenant Facebook, allez-y à l'Assemblée nationale, c'est là-bas que ça se passe. Ils n'ont pas encore déposé les candidatures. Préparez-vous à aller déposer vos candidatures. S'il y a un jeune qui est candidat, dites-le nous, on va vous soutenir. On est prêt à vous soutenir. Dès lors que vous êtes jeune, on va vous soutenir. Ils sont des vieux là, laissez ça. Les vieux ont beaucoup gouverné. On ne parle pas d'élections présidentielles, on parle des élections législatives. On parle de l'Assemblée nationale. Et ceux qui sont mieux placés à représenter la jeunesse, ce sont les jeunes qui sont mieux placés à représenter leurs homologues jeunes au sein de l'Assemblée. Là encore, présidence, c'est-à-dire les fauteuils ministériels sont occupés par des vieux. Les mairies sont occupées par des vieux. Les sénateurs, ce sont les vieux qui sont là-bas. Assemblée nationale encore, ce sont des vieux, mais et la place de la jeunesse. Puisqu'on dit, c'est-à-dire, l'avenir, le monde d'aujourd'hui appartient aux jeunes. Mais la place de la jeunesse est où? Mais on ne peut pas accuser les vieux, puisque nous-mêmes les jeunes, on ne sommes pas audacieux. Nous ne sommes pas ambitieux. Quand il s'agit de ce genre de choses, on fuit. Au moins s'il y avait une loi qui empêche un jeune d'être candidat à la députation, en ce moment-là, on allait dénoncer ça pour dire, mais les vieux, ils veulent occuper l'Assemblée nationale eux seuls. Ils ne veulent pas que les jeunes soient là-bas. Donc, pour éliminer la jeunesse, voici, ils ont fait voter une loi. Mais ce n'est pas le cas. Donc, un jeune ivoirien qui est ambitieux, il peut être candidat. Pourquoi on fuit? Non, je suis patrie. Politicien, bande de lâches que tu es, que tu sois. Tu n'es pas politicien, mais tu fais quoi derrière les partis politiques? Tu n'es pas politicien, mais quand tu sors pour manifester au nom d'un homme politique, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Quand tu sors pour manifester, ah mon président, quand on vous donne un mot d'ordre et que vous sortez là, vous sortez au nom de quoi? Au nom de vos rêves ou au nom d'un homme politique? Du moment où tu fais des posts sur Internet, au moment où tu sors dans les rues pour manifester au nom d'un homme politique, quand c'est que tu fais la politique? En ce moment-là, tu dois t'occuper de la politique et si possible, d'être candidat, mais pourquoi pas? Vas-y, sois candidat. Et moi, je suis de tout cœur avec les jeunes qui osent de nos jours, osons ensemble, battons-nous ensemble, soyons candidats ensemble. Toi qui me regardes, si ton oncle est à côté et puis il est hésitant, il faut le convaincre. Si ta tante veut être candidate et puis elle dit, il faut la convaincre. Si toi-même, tu veux être candidat et puis, vas-y mon frère, il ne faut pas avoir peur. Vas-y, on meurt, c'est un jour on meurt, on est né un jour. On va mourir un jour. On est né un jour, on trouve au travail un jour. On est né un jour, on peut trouver, c'est-à-dire on peut gagner un jour. Vas-y! Vas-y! Si toi-même as connu des échecs dans ta vie, mais en insistant, en persistant, tu peux être victorieux un jour. C'est un jour. Un jour seulement. C'est un jour où tout peut arriver. C'est un jour où on tombe malade. C'est un jour où on se sent capable de courir, de guérir. C'est un jour où on est. C'est un jour où on tombe enceinte. C'est un jour où on se quitte pour toujours. C'est un jour où on devient un grand homme ou une grande dame. Allez-y. Et ce un jour-là, c'est pour toi. C'est pour maintenant. Ce un jour-là, si tu oses, ce un jour-là verra le jour. Si on se laisse, c'était les contenants bien complets. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la jeunesse ivoirienne. Et surtout une jeunesse ambitieuse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse aussi notre nation, la Côte d'Ivoire. Ciao.